Photo inédite, Delphine Jubilard est au volant de sa voiture, quelques heures avant sa disparition. Cette image a été captée par la caméra d'un parking d'Albi. Nous sommes le mardi 15 décembre 2020. Il est 10h23. La jeune infirmière est en ville pour faire quelques courses. On la voit ici à la borne de sortie du parking. Delphine Jubilard s'apprête à rentrer à Cagnac-les-Mines où elle habite. C'est son premier jour de vacances. Elle doit retrouver une amie pour boire le café. Il n'y a pas de pancarte. Alors, c'est du voyeurisme ou pas? Est-ce que c'est une information? Non. C'est un énorme scoop, on va pas se mentir, tout le monde l'aurait sorti, si tous les médias l'auraient sorti s'il y avait ces images, y compris nous. C'est les deux. Et puis, je pense que voilà, c'est une affaire qui passionne les Français, donc ça les informe. Et aujourd'hui, les affaires, elles se déroulent aussi dans les médias. Il y a des preuves qui s'accumulent. La justice regarde ce qui se passe dans les médias. Dans ce cas précis, les preuves, pour l'instant, il n'y en a pas des masses. Non, mais c'est des nouveaux éléments d'enquête. C'est des nouveaux éléments de l'enquête pour dire que voilà, elle a envoyé un SMS à telle personne. C'est très complet le reportage, il est vraiment très bien fait. Et aujourd'hui, la justice regarde en temps réel les documentaires, les sujets qui sont faits sur les affaires. Donc pour moi, c'est vraiment des reportages utiles et c'est pas du voyeurisme, c'est de l'information. Mais comme on est en instruction, est-ce que c'est pas un peu dommageable pour l'enquête, pour ce qui est fait par la police? À l'heure des chaînes d'info, aujourd'hui, tout le monde le fait en fait. Donc est-ce sinon, que ça peut tout pas le monde aider, doit arrêter peut-être de le faire. Mais le problème, les avocats viennent parler. Mais c'est surtout Guillaume, je t'entends, mais là, ça ne sert strictement j'entends, à rien. J'entends. On est juste en train de dire que le matin, elle est partie faire ses courses avec sa voiture. Mais... aujourd'hui, on est dans une enquête et on essaie de savoir si c'est son ex-mari qui l'a tué ou qui l'a pas tué. Pas que donc, en l'occurrence, ça ne sert. Non, mais j'ai regardé le reportage, il ne sert à rien. Il n'amène rien à l'enquête. Et après, là où je rejoins un petit peu Benjamin dans sa question, c'est est-ce que ça ne peut pas troubler l'enquête? Ah oui. Parce qu'on a quand même une xème demande de liberté de Cédric Jubilard. Donc à un moment donné, est-ce que ça ne peut pas jouer aussi pour lui? Donc, ça peut la troubler ou la faire avancer? Là, il y a des conversations entre elle et son amant, entre elle et sa meilleure amie. Pour l'instant, quand même, sur cette affaire, on n'a pas d'arme du crime. Ouais. On n'a pas de corps. Non. Et pas d'aveu. Et on a vaguement un mobile, puisque le jour où... Elle l'a trompé. Elle l'a trompé, mais surtout, elle avait fermé les comptes communs pour qu'il n'ait plus accès à la Oui, mais il y a quand même l'enfant qui a parlé il n'y a pas très longtemps, récemment, et qui a dit avoir vécu une dispute un peu violente entre son père et sa mère. Et ils ont retrouvé, vraisemblablement, ils auraient retrouvé derrière les canapés des choses à elle qui auraient peut-être... une lunette cassée, une branche de lunette cassée. Ça avance, l'enquête avance. Mais est-ce que c'est aux médias d'en parler? Je ne suis pas certain. Mais Nicolas, en ce moment, les avocats viennent, viennent sur les plateaux pour toutes les affaires. Malheureusement, on n'est plus dans ça. Non, mais en l'occurrence, secret, je reviens sur cette image. Est-ce qu'on a besoin de parler de cette image et faire tout un truc pendant 20 minutes autour de l'image, elle a illustré en fait le reportage. Elle est venue illustrer parce que finalement, il n'y a pas d'image. Donc du coup, ils ne vont pas filmer un canapé, ils ne vont pas filmer des lunettes derrière un coussin, etc. Donc ils avaient ces images-là. Ils ont illustré en fait ce reportage qui effectivement apporte quand même des évidences nouvelles sur justement le témoignage du petit garçon qui a dit qu'il y avait une dispute. Et lui, on a retranscrit aussi la conversation qu'il a faite avec les gendarmes lorsqu'il a appelé pour signaler la disparition de sa femme, où il ne parle absolument pas de cette dispute. Donc ça le met quand même en porte-à-faux. Donc il y a du nouveau. Oui, ils avancent, ils reculent. Il y avait la couette, il y avait du sang. En fait, il n'y avait pas de sang. Là, on a les photos. Ça c'est Delphine Jubilard. Ça, c'est le salon où se serait passé. C'est juste où, se serait passé le drame. Et encore une fois, il n'y a pas une tache de sang. Il n'y a pas une trace d'ADN. Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Voilà. Absolument rien. Donc, pour l'instant, l'enquête n'avance pas. Et ce monsieur est en prison. Alors, combien de temps je crois qu'on peut rester pas plus de 2 ans sans avoir été inculpé. Au bout d'un moment, il va être obligé de sortir. La préventive, il sera libéré. C'est ça. C'est ce qui est pire, en fait. La préventive, elle peut être... c'est 2 ans, ça peut être renouvelé 2 ans encore, 4 ans maximum. Donc là, ça fait quasiment 3 ans qu'il est... Et ça se déduit de la peine, évidemment. Donc dans un an, s'il n'y a pas eu de progression sur l'enquête, il sera forcément remis en liberté. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent aussi, est-ce qu'on peut être condamné alors qu'il n'y a pas d'armes du crime et pas de corps? Oui, la réponse est oui. Il y a eu plein de cas dans l'histoire de la justice où on était condamné alors qu'il n'y avait pas de corps. Il y a même eu des erreurs judiciaires. Mais je rappelle que dans la justice française, le doute est censé toujours profiter à l'innocence. Le doute. Mais s'il y a une présomption de culpabilité, il peut aussi être inculpé. En recoupant justement, et s'il a menti, si on découvre qu'il a menti justement, voilà, et que le témoignage a été un peu tronqué, il pourrait être inquiété aussi.